Voilà, bonjour à tous. Donc je vais donner ici un exemple de fonction qui correspond à une quantité qui décroît exponentiellement. Donc pour cela, on va considérer une quantité de radon et on va dire que f de t, c'est la quantité de radon. Alors radon, c'est Rn. Donc c'est un atome, c'est un élément chimique qui se trouve dans la dernière colonne du tableau périodique. Et on va considérer l'isotope 220 qui a une demi-vie de 56 secondes. Donc demi-vie 56 secondes. Et donc on va considérer la quantité de radon à un instant petit t. Donc on note f de t, hein, la fonction qui donne. Donc f de t, c'est la quantité de radon à l'instant petit t. Et donc on part d'une quantité de radon initialement à t égale 0. Ben, par exemple, on va prendre 100 grammes pour simplifier un petit peu pour préciser un petit peu les choses. Donc, hein, un exemple de décroissance donc exponentielle. Donc, le radon, hein, donc comme c'est un élément chimique radioactif, et toutes les 56 secondes, la moitié des atomes que vous avez de radon vont se transformer en d'autres atomes. D'accord? Donc le noyau de l'atome va se désintégrer, si vous voulez, en d'autres atomes. Il faut savoir que le radon, bon, il se présente sous forme de gaz, hein, aux températures et pressions ambiantes. Et il est beaucoup plus lourd que l'air. Il fait à peu près 9 kg par mètre cube, alors que l'air, on est à 1 kg par mètre cube. Un peu plus d'un kilo par mètre cube. Donc c'est un gaz très lourd, hein. Il contient 220 nucléons, donc évidemment, hein, c'est ça qui fait qu'il est très lourd. Dans la dernière colonne, c'est l'élément, c'est le gaz le plus lourd, le gaz noble le plus lourd que l'on peut trouver en fait donc aux conditions ambiantes sur Terre. Et donc c'est un gaz très radioactif et donc très enfin, dangereux. Et donc il faut mesurer sa quantité régulièrement dans les endroits où on se trouve pour vérifier qu'il n'y a pas de danger pour votre santé. Donc supposons qu'à l'instant t égale 0, on ait 100 grammes de radon. Eh bien, à l'instant, une fois 56 secondes, ben on va avoir 50 grammes, tout simplement. Hein, puisque la durée de vie, la demi-vie est de 56 secondes, ça veut dire que toutes les 56 secondes, la quantité de radon que vous avez est divisée par 2. Hein, si je prends f à l'instant 2 fois 56 secondes, hein, vous allez avoir 25 grammes. Si vous prenez f à l'instant 3 fois 56 secondes, vous allez avoir 12,5 grammes. Alors, en quoi ça, c'est une décroissance exponentielle? On va le comprendre assez facilement. En écrivant en fait que 50 grammes, c'est 100 fois 1,5. D'accord? Donc, au bout de 56 secondes, j'ai divisé, et donc en fait, c'est f0, hein, fois 1,5. Si je prends f de 2 fois 56 secondes, c'est 100, ce que j'avais au départ, fois 1,5 parce que j'ai divisé par 2 au bout de 56 secondes. Et cette quantité-là, elle est encore divisée par 2 les 56 secondes suivantes. Ce qui fait au final que j'ai F0 multiplié par 1,5 au carré. Et vous voyez apparaître ici, donc ici on pourrait dire que c'est l'exposant 1, vous voyez apparaître ici la variable, hein, la variable de ma fonction qui arrive à l'exposant. Et c'est un exposant, et donc c'est pour ça qu'on parle de fonction exponentielle. Et alors si je prends f à 3 fois 56 secondes, ça va être 100 multiplié par 1,5, multiplié par 1,5, multiplié par 1,5. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Et c'est donc 1,5 exposant 3. Voilà. Et donc on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Alors le temps petit t, hein, ici c'est 3 fois 56 secondes. Ce qui fait que le nombre 3 qui apparaît à l'exposant, c'est en fait t divisé par 56. Et si je veux donc écrire la fonction f de t de façon, l'expression de la fonction f de t qui donne la quantité de radon à l'instant petit t, eh bien j'ai la quantité de radon à l'instant petit t qui est égale à la quantité de radon à l'instant t0 multipliée par 1,5 exposant donc t divisé par 56. Hein, d'accord? Donc comme ça, je vais pouvoir effectivement diviser par 2 ma quantité toutes les 56 secondes. C'est bien cette expression-là qui me donne ma quantité de radon. Excusez-moi, j'ai un peu donc on va essayer quand même de l'encadrer de façon plus correcte. Voilà.
J'ai ici mon expression donc d'une fonction qui décroît de façon exponentielle. Donc c'est une fonction exponentielle tout simplement. Alors au passage, hein, on peut remarquer que si je prends un instant petit t quelconque et je rajoute petit n fois 56 secondes, je vais obtenir f de 0 fois 1 demi. Alors petit t donc est égal à t plus n fois 56 divisé par 56. D'accord? Et vous savez que donc quand j'ai une puissance avec donc une somme d'exposants, eh bien, je peux dire que c'est égal à F0 fois 1/2 exposant t sur 56 fois 1/2 exposant n fois 56 sur 56. D'accord? J'ai divisé, hein, j'ai coupé en deux la fraction ici. Hein. Vous savez que t plus n fois 56 sur 56, c'est égal à t sur 56 plus n fois 56 sur 56. Et en réalité, c'est égal à t sur 56 plus petit n, puisque je peux simplifier ici les 56 sur ma deuxième fraction. Et donc, finalement, effectivement, j'ai f de t plus n fois 56 secondes, qui est égal à f de 0 fois 1 demi t exposant 56. Donc l'exposant est bien sur le 1/2, et là pareil, fois 1/2 exposant petit n. Et vous voyez qu'en réalité, vous voyez apparaître en fait hein, ici la fonction f de t. Donc si je veux savoir quelle est la valeur de ma fonction, je me place un instant petit t quelconque, et si je rajoute un multiple de 56 secondes à cet instant, eh bien, ça revient à multiplier la quantité que j'avais à l'instant t, à la multiplier par 1/2 exposant petit n. D'accord? Si n égale 1, ben, je multiplie par 1/2 tout simplement. Ça veut dire que j'ai rajouté que 56 secondes. Si je rajoute 2 fois 56 secondes, il faudra que je multiplie par 1 quart, donc 1/2 au carré. Si je rajoute par rapport à l'instant t 3 fois 56 secondes, qui est la demi-vie, ben, il va falloir que je multiplie par 1/2 exposant 3, c'est-à-dire 1/2 exposant 3. Ça fait 1 sur 8. Hein. Voilà, 1/2. Voilà. Voilà. Donc, voilà, je trouve donc l'expression de ma fonction hein, que je rappelle ici, qui est égale à f de t égale f de 0 fois 1/2 exposant t sur 56. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une formule comme ça pour calculer la quantité de radon à un instant t quelconque? Bah, c'est justement de pouvoir la calculer à un instant t quelconque. Hein. Si par exemple, je prends t égale 200 secondes, eh bien ma quantité de radon à l'instant 200 secondes, c'est la quantité de radon que j'avais à l'instant 0 secondes fois 1/2 exposant t, donc 200. Je remplace petit t par sa valeur, c'est-à-dire 200 divisé par 56. Et donc vous pouvez prendre votre calculatrice hein, et donc calculer. Alors évidemment, F0 c'est 100 grammes au départ. Donc c'est 100 grammes fois 1/2 exposant 200 divisé par 56. Alors on peut visualiser cette fonction exponentielle, donc cette décroissance, on peut la visualiser sur GeoGebra. Je vais rentrer ici la fonction donc f de x. Alors dans GeoGebra, la variable est forcément égale à x, pas à t, donc je ne peux pas mettre t à la place de x. Donc c'est égal à 100 grammes fois 1/2, c'est-à-dire 0,5, hein, 0,5, exposant, alors, multiplié, j'ai mal écrit le multiplier, voilà, multiplié par 0,5, exposant, donc, x divisé par 56, je fais entrer, et alors là, j'ai la fonction donc, qui a dû apparaître ici, alors je ne la vois pas. Mais on va la voir apparaître ici. Vous voyez quand t égale 0, j'ai bien 100 grammes de radon. Et quand t égale 56, alors 56, ça doit être quelque part voilà, 52, 54, 56. 56, c'est ici. Si je monte ici, je vois, ben voyez, je tombe directement sur 50. Donc à t égale 56 secondes, j'ai plus que 50 grammes de radon. Hein, c'était divisé par 2. Et si je prends t égale 100 secondes, t égale 100 secondes, j'arrive donc ici, enfin,
T égale 56 secondes, pardon, c'est donc la moitié, et 56 fois 2, ça fait 112. Donc quand T égale 112 secondes, donc 112, ça doit être ici. Quand je fais 112, eh ben, j'obtiens bien effectivement ici 25, qui est donc la moitié de 50 et le quart de 100 grammes. Donc vous voyez la fonction qui donc décroît et divisée par 2 toutes les 56 secondes. Et pour T égale 200 secondes, ben, on aurait ici la valeur qui est un peu plus petite que. C'est un peu moins de 10 grammes. Donc vous pouvez prendre calculatrice et essayer de trouver cette valeur-là en rentrant cette expression sur la calculatrice. Là, votre calculatrice vous permet de calculer les puissances avec des exposants donc fractionnaires, ce qui est le cas ici. Et vous n'aurez aucune difficulté à trouver la bonne valeur. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est juste un petit exemple de fonction décroissante pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble donc cette fonction décroissante, ces fonctions exponentielles donc et cette décroissance exponentielle. Alors, tiens, je peux vous montrer quelque chose d'intéressant. Là, on avait une période de 1,5. Je pourrais mettre une période de 2. Imaginez qu'en fait, ma fonction, hein, on pourrait très bien augmenter une croissance, hein, exponentielle. Avec donc quelque chose qui est multiplié par 2 toutes les 56 secondes. Donc si je pars encore de mes 100 grammes et que cette fois je les multiplie par 2 toutes les 56 secondes, je vais obtenir une fonction qui est égale à 100 fois 2 donc 2 exposant x divisé par 56. Je fais entrer. J'ai mal écrit, j'ai mal écrit F. Oh non, mais il faudrait que je l'appelle autrement. G de x égale 100 fois. Non. Ah oui, je l'ai modifié. Ah oui, non, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Donc là, oui, je comprends. Comme je l'appelle le même nom, bah, j'ai écrasé la fonction précédente. Donc cette fois, je vais rentrer celle que j'avais précédemment. X divisé par 56. Voilà. Donc là, je retrouve ma fonction de décroissance du radon. Et donc si je regarde un petit peu plus, en vert, voilà, j'ai la fonction de croissance, donc avec une base qui est inversée. Et vous voyez, vous avez une symétrie parfaite, hein, entre la fonction exponentielle avec une base égale à 2 et la fonction exponentielle avec une base égale 1,5, c'est-à-dire 0,5. Vous avez donc, c'est intéressant quand même de repérer ce truc-là, vous avez donc une symétrie par rapport à l'axe des y au niveau de ces deux fonctions. Donc ça, c'est aussi quelque chose à connaître. Et vous voyez que là, effectivement, pour la fonction verte, si au départ j'ai 100 grammes, au bout de 56 secondes, ben, je vais avoir, on le voit ici, 200 grammes. D'accord? Hein, si j'ai caché, voilà, pour avoir un peu plus de précision, 56 secondes, je les ai ici. Et donc, attendez, voilà, je remonte ici, je vais y arriver, voilà. Voilà, 200 grammes, vous voyez, ça correspond bien à 56. Hein, on voit ici, 55, 56. J'ai bien multiplié par 2 au bout de 56 secondes. Ma quantité imaginaire ici, qui augmenterait par 2 toutes les 56 secondes. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, ici, encore une chose intéressante que je peux vous montrer avec cette fonction exponentielle. Donc on a vu que f de t, c'était égal à 100 fois 1,5 exposant donc t divisé par 56. Mais je pourrais très bien rentrer la période donc au niveau de ma base et dire que c'est 100 fois 1,5. Donc vous savez que t exposant 56, je peux l'écrire comme ceci, d'accord? Et ma nouvelle base, vous la voyez apparaître ici. Là, vous savez qu'une puissance d'une puissance, je multiplie les exposants. Et donc là, c'est une nouvelle base qui est la racine 56e de 1,5. D'accord? Là, c'est 1,5, donc c'est 0,5 exposant 1 sur 56. Et donc, quel est l'intérêt d'écrire ça comme ça? Donc, je pourrais écrire que f de t est égal à 100 fois la racine 56e de 1,5 exposant petit t. Et donc voilà, ça veut dire que toutes les 1 seconde, la fonction est multipliée, la quantité est multipliée par 0,5 exposant 1,56e. Hein, d'accord, voilà. C'est en gros, si vous voulez, ce par quoi vous multipliez la fonction toutes les secondes.
D'accord. Alors c'est différent de ce qu'on obtenait pour une droite, par exemple. Pour une droite, chaque fois que vous avancez de 1, vous ajoutez toujours la même chose, c'est la pente. D'accord. Ben, pour une fonction exponentielle, à chaque fois que vous avancez de 1, vous multipliez par une même quantité. J'avance de 1, je multiplie par une même quantité. Et donc évidemment, cette fois, la pente n'est plus constante puisque ben, vous n'ajoutez pas simplement quelque chose, vous multipliez ce que vous avez par quelque chose, donc ça revient, c'est différent. Et donc vous obtenez une fonction qui est exponentielle et qui varie très rapidement. Hein, c'est ça ce qu'il faut retenir de cette petite vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vous laisse pour de bon.